Le jour comme la nuit, sans qu'on le sache, les yokai sont ici. Ils sont partout pour notre grand malheur. Pour le désordre, ce sont bien les meilleurs. Eh bien salut les amis, c'est Kirwendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Whisper dans Spectre Psychique. Pour tout simplement connaître la suite des aventures de Whisper, si vous jouez à Spectre Psychique, vous n'avez pas besoin d'attendre un jour dans la vraie vie, hein. Il suffit de dormir dans le jeu et c'est bon, ça se déclenche. Donc, allons voir. Ah, Maître Kogito, si seulement je pouvais me souvenir de la suite. Maître Kagato quoi? Ah, ne me fais pas peur comme ça Kirwendo. Hein? Je me tenais juste devant toi, tu semblais être ailleurs. C'est qui Maître Kagato? On aurait dit un nom de yokai. Mais non, c'est Maître Kogito! Il est très important, c'est... C'est qui? Peu importe. Tu es bizarre, Whisper. Enfin, plus bizarre que d'habitude. Tu as raison. J'aurais dû te parler de Maître Kogito, Kirwendo. Oh mince, on dirait que ça va prendre un moment. C'est une histoire très importante. Veux-tu bien m'écouter? Bah oui, vas-y, écoute, le... Ouah, on va gagner une poupée dorée, c'est cool ça. Merci, tu ne regretteras pas. J'ai gardé cette histoire secrète jusqu'à présent, Kirwendo. En vérité, mon vrai nom est Whis pas vrai. Pour de vrai, il s'appelle Whis pas vrai, mon dieu. Et... Oh, je viens de me souvenir de quelque chose. Quoi? Je devais faire une course pour maman. Désolé, Whisper, on va devoir mettre ça plus tard. C'est sérieux, Kirwendo? Mais ça se fait pas, ton ami il essaye de te raconter une histoire de... Enfin, son passé mystérieux et toi tu pars faire une course. C'est pas bien, Kirwendo. Whisper, il faut vraiment que tu racontes à Kirwendo ton paquet. J'essaie. Nya? J'ai essayé d'en parler plusieurs fois, mais je me dégonfle toujours. Et quand je me décide enfin, ce n'est plus le moment, comme tout à l'heure. Le pire, c'est que je ne me rappelle pas clairement Maître Kogito. On devrait pouvoir t'aider à raviver ta terriblement mauvaise mémoire. Oh. Laure, Marge. Laure, Lar. Et qui est l'autre type? Mon nom est Ambrosio. Ravi de... Je veux dire, il est temps pour vous de vous faire remonter dans le temps. On va le combattre, lui? Je me demande. C'est bizarre qu'ils le connaissent pas, Ambrosio. Nya, arrête de dire temps tout le temps! J'ai pas eu le temps de lire la suite, voilà. Encore un peu, et nous atteindrons le carrefour du destin. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons faire en sorte que l'enfant ne trouve jamais la Yokai Watch. Ainsi, la défaite de maîtresse Perpetua sera effacée, et elle pourra renaître. Pourquoi il y avait un accent sur le E, le premier E de Perpetua? En ces temps féodaux, la guerre faisait rage. Cela faisait bien des années que Whisper, autrefois Whisper vrai, avait envoûté le shogun Kogito. Bon, j'ai laissé la cinématique parce que c'est vraiment... Enfin, j'adore la musique, mais la prochaine fois, je vous la passerai s'il n'y a rien de différent, bien entendu. Il fume, Whisper. Pourquoi il est tout jaune, d'ailleurs, sur sa... Ah, bah c'est parce que... c'était son vêtement. Quoi? Encore? Retour à l'époque féodale! Ah oui? Pourquoi on continue d'être envoyé ici? Et tu es un vrai chat maintenant? Ne me regarde pas, Nya, je ne comprends pas non plus. Tu as entendu la rumeur? Quelle rumeur? Moi j'ai pas entendu. Oui, il paraît qu'on va être attaqué! Bon bah sacrée rumeur, tiens. Si ça arrive, je ne sais pas ce que cet endroit va devenir. Bah vous allez être mort, donc je pense que tu t'en moques de l'état de cet endroit. Oui, c'est inquiétant. Je crois que notre seigneur a craqué sous la pression. Il n'arrive à se décider sur rien. Il manque tellement de détermination. Le seigneur indécis se fait critiquer pour son manque d'organisation. Nya, le seigneur indécis? On dirait que quelque chose ne tourne pas rond. Eh, il a besoin de Whisper. Je m'inquiète pour Maître Kogito. Allons le voir dans son château. Allez, allons voir Maître Kogito dans son château. Et là, Whisper, il va encore lui faire faire n'importe quoi. Parce qu'il va le posséder alors qu'il faut pas.
Mais elle est super cette map, pourquoi ne pas l'explorer en étant Nathan? Parce que je suis pas sûr qu'il y ait des télémires qui puissent nous renvoyer aussi loin. Mais waouh, mais c'est trop classe, puis avec les musiques et tout. Non mais c'est trop bien cette zone. Ah là là, j'aimerais trop qu'il y ait un Yo-Kai Watch qui se passe dedans. Bah il doit y en avoir en fait un Yo-Kai Watch qui se passe à ce moment. Le Yo-Kai Watch Sangokuchi. Ah c'est possible tiens. Ah ouais. Par contre là moi je sais pas trop par où faut aller. Bon, par là, voilà, on dirait que c'est par là. Salle de banquet. Bonjour le vieux. Cette aura. L'esprit est de retour. Et ah l'abbé. C'est le vieil homme qui a essayé que Ibaraki nous l'autre fois. Monsieur l'abbé, où est maître Kogito? Je dois lui parler. Le shogun Kogito est parti sur le champ de bataille. J'étais sur le point de m'y rendre moi-même. Nya, le champ de bataille? Oh oh, je viens juste de me souvenir de ce qui va arriver ensuite. Ah, il s'en souvient. Mais il le vit quand même. Mais c'est le même champ de bataille que c'est les plaines plein pot. Nous n'avons plus le temps, seigneur. Il faut prendre une décision à présent. Faut-il battre en retraite ou partir à l'attaque? Retraite? Attaque? Je ne peux pas me décider. Ah, que me conseilles-tu? Comment ça? Nous devrions battre en retraite aussi vite que possible, bien entendu. Qu'est-ce que tu racontes? Cette armée ne peut pas fuir lâchement. Ce n'est pas fuir, c'est battre en retraite. Bah, mettez-vous d'accord. Difficile. Je manque de détermination pour déterminer la marche à suivre. Comment ai-je pu croire pouvoir mener une armée au combat comme ça? En fait, c'est assez simple. Qui a parlé? Il a entendu? Il lui faudrait une Yo-Kai Watch en fait, mais ça n'existait pas encore. Esprit, est-ce toi? Il peut t'entendre! Apparemment. Oui, je suis l'esprit. Je suis là pour te guider. Oh! Battre en retraite est inconcevable. Que doit-on faire alors? Voyons voir. Et là, il a pas son Yo-Kai Pad, malheureusement. Il a oublié. Je sais. Ah, j'ai une idée. Incendier la forêt et enfume l'ennemi. Ce que tu dis est totalement fou, Nya. Folie, nous sommes dans la direction du vent. Ça serait un désastre. Esprit, ne joue pas au tacticien. Cela demande beaucoup de préparation. Ah, mince. Achoum! Ah mince! Il vient de le posséder, il va dire n'importe quoi! Oh, regardez le ciel, vous tous! Les hirondelles volent vers le sud, un signe que le vent change de direction! Nous devons mettre le feu à la montagne! Qu'est-ce que vous dites? Mais oui! Lui aussi fait la pause, mais Whisper, il la fait jamais cette pause, je crois. Si, non, je crois pas. Gna gna, un vrai festival de fratioc, mais pas de bonne idée. Mais attendez, mais ils vont vraiment mettre le feu à la forêt? Quoi? Oui, monsieur, compris, monsieur, tout de suite, monsieur. Du feu, on doit démarrer un énorme feu. Ah, mais je suis pas sûr que c'était une bonne idée, hein. Quoi? Un instant. Whisper, il s'arrache les cheveux, enfin, il y en a pas beaucoup, mais il s'arrache quand même. Choix, je dois dire. Dès que les soldats alliés mirent le feu à un fourré, le vent tourna et la fumée se déplaça vers l'armée ennemie. Bon, bah, on peut dire merci Whisper, hein? Hein? Le vent a changé de direction, comme l'a prévu le seigneur Kogito! Bah merci Whisper, hein. Il l'a pas fait exprès, mais bon. Un instant, vraiment? Un instant, vraiment? Oui, vraiment. Seigneur Kogito, c'est maintenant ou jamais? C'est maintenant ou jamais que quoi? Oui, je sais. Toutes les troupes, en attaque! À vos ordres, monsieur! À vos ordres, monsieur! Heureusement qu'il a pas renvoûté le Seigneur Kogito. Mais c'était juste un coup de chance, pas vrai? Oui, je crois que c'était qu'un coup de chance, effectivement. Mais heureusement, hein. Oh, un banquet. Oh, waouh. J'étais un peu inquiet pendant un moment. Et dire qu'on l'a emporté, quelle chance. Vraiment, quelle chance. Ça me donne faim, tout ça. Et quel choc de voir notre seigneur prendre une décision aussi décisive. Il a prouvé sa maîtrise de la tactique. Ce n'est plus le seigneur indécis. Il a vraiment existé, le seigneur Kogito? Est-ce que c'est une histoire vraie, tout ça? Bon, pas le truc Whisper, parce que Whisper n'a jamais existé, mais le seigneur Kogito, je ne sais pas. Nya? Un problème, Whisper? Mais il est pas là, le seigneur, pourquoi il mange pas?
Où est le maître Kogito? Il devrait être là, célébrer la victoire. On devrait aller voir ce qu'il fait. Où pourrait-il bien être? Bah ouais, va voir. Après avoir piqué dans les assiettes des autres, là. non, c'est par là. Allez. Qu'est-ce qu'il fait? Il est là-bas. C'est bizarre, ça. Il s'entraîne? Il a trouvé son épée ou pas, d'ailleurs? Parce qu'il y avait un truc qui brillait, mais est-ce que c'était l'épée? Ça, on n'en sait rien. Est-ce toi, esprit? Nom d'une guimauve! Eh bah oui, c'est moi. C'est Whisper. Tu m'as surpris. Je n'avais pas réalisé avec quelle facilité tu me détectes. Ton aura a une douceur froide et familière, comme un dessert glacé. Crème glacée? Bref, grâce à toi, on a remporté la victoire. Je te dois tout, esprit. Oh, ce n'était rien, vraiment. Ce n'est qu'une heureuse coïncidence, après tout. Mais non, je sens que tu n'es pas le genre de yokai à dire n'importe quoi. Je te consacre, tacticien yokai. Tacticien yokai? Wouah, Kirukirkinya. Oui, donc c'est comme ça qu'il est devenu tacticien yokai. Quel est ton nom? Mon nom? Là, il parlait à ma place, hein. C'est ça, c'est faux, tu t'appelles Whis pas vrai, hein. Non, moi je le crois pas, hein. Whis pas vrai. il rougit ou quoi? Pourquoi il se cache le visage? On dirait qu'il rougit. Ok, cette fois je ne me tromperai pas. C'est parti! Vous allez voir qu'il va se tromper encore. Qu'est-ce qui se passe là? Par la crème glacée fondue! Oh, tu ne t'es effectivement pas trompé cette fois. Assez bavardé. Passons au moment clé suivant de l'histoire. Et c'est quoi le moment clé suivant de l'histoire? Aidé de son nouveau tacticien, Kogito fit taire les critiques l'appelant le seigneur. Ses décisions efficaces et rapides améliorèrent sa réputation. D'accord. Et donc tout est bien qui finit bien. Nya, les voyages dans le temps me donnent le tournis. On dirait qu'on revisite les événements clés de mon passé. Mais pourquoi? Mais on dirait pour le moment que finalement Laure et Marge, elles les aident là, mais bon. Maître Kogito! Il est en train de boire de l'alcool, hein, je voudrais pas dire, mais ça c'est quand même une gourde de saké, hein, ce qu'il y a juste à côté de lui. Hein. Whispocrate, c'est toi? Oui, monseigneur. Depuis que tu es à mes côtés, j'arrive à prendre des décisions. Et ma popularité n'a jamais été aussi bonne. Tu as ma gratitude éternelle. Monsieur, en tant que tacticien yokai, c'est mon devoir de guider. Tu sers ton seigneur avec tant de grâce et dignité, tu sais. Oui, en plus, il a un bol pour boire le saké, quoi. Je me bats pour mon maître, envers qui j'ai juré de donner ma vie. Maître? C'est qui son maître? Shogun Kogito reste fidèle envers son ancien maître, Hideyoshi Toyotami. Nya, alors ça, Hideyoshi Toyotami, on peut pas l'inventer, hein. Ça doit être forcément une histoire vraie. Hein. Hideyoshi Toyotami, Toyotomi, je sais plus. Il est possible que je perde la vie en me battant pour la volonté de mon maître. Mais je n'ai aucun regret. Bah dis donc. Et grâce à toi, ma vie est devenue bien plus intéressante et satisfaisante. Il rougit. Maître Kogito! Whispocrate serait-il amoureux? On dirait bien. Bien, on dirait que tout se passe pour le mieux. Le carrefour du destin est juste devant. Ambrosio, avance le temps! Comme ceci. Je suis sûr qu'il va se tromper là. Qu'est-ce qu'il va dire encore, Whisper? Par ma tête d'ampoule! Qu'est-ce qui vient de se passer là? Où ils sont partis? On ne sait pas trop. Pourquoi il y a un chargement? Ah mince, ils sont de retour. Nya! Bim. Ah, mais pourquoi il est revenu et pas Whisper? Ah si, il a fait lui tomber dessus. Rebonjour Whisper, pourquoi il danse, dit Bayan. Oulala, on dirait qu'on est dans le présent, de nouveau. Ce toit est dangereux, retournons à l'intérieur, ça sera plus sûr. Ouais, j'ai envie de regarder mon album photo de Next Armia Uni. Comment ils peuvent passer du Japon féodal à d'un coup avoir envie de regarder les Next Armia Uni? Bah dis donc. Ok, c'était une erreur.
Et bravo, Ambrosio. Ambrosio, incapable! Tu as bien trop avancé le temps! Mince alors, on a aussi dépassé le carrefour du destin. Désolé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien faire d'autre à part se retirer pour le moment. Puisque tu as utilisé le restant de force qu'il fallait pour voyager dans le temps. Gros bêta, ta maladresse commence à nous coûter cher! Rassure-toi, nous changerons l'histoire au carrefour du destin plus tard. Ouais, plus tard, cette fois, je vais pas quitter l'épisode, hein, on va continuer. Donc, leçon de Whistoire 2. Je sais pas combien il va y avoir d'épisodes, 2, 3, enfin, il va y en avoir 2, il va y en avoir 3, 4, 5, j'en sais rien. En tout cas, j'aime bien cette petite histoire. C'est cool d'en apprendre un peu plus sur Whisper, parce que Whisper, c'est quand même l'un des yokai les plus importants de la série, et pourtant, on sait quasiment rien sur lui, donc c'est vraiment sympa. On mélange ? On remélange ? Oh, quel fouillis ! Raté. Alors, on va dormir. Comme je vous disais, il suffit juste de dormir jusqu'au lendemain. Il n'y a pas besoin de laisser votre 3DS et d'attendre un jour. Et normalement, Whisper, il va me reproposer un truc. Ça avait déjà été le cas la dernière fois. Et donc, ça va être la troisième histoire. Oui, les PV ont été restaurés. Très bien. Rebonjour, Whisper. Je me sens nostalgique de l'époque où j'étais tacticien yokai. C'est quoi un tacticien yokai? Oh, ne me fais pas peur comme ça, Carmendo! Je n'ai rien fait, tu semblais encore totalement ailleurs. C'est qui ce yokai que tu as mentionné? Quel drôle de nom. Tacticien n'est pas un nom de yokai. Tacticien yokai, c'était mon... C'était ton... quoi? Ce n'est rien. Oublie ce que je viens de dire. Quoi? Tu me demandes encore d'oublier? Que se passe-t-il? Tu veux vraiment savoir, Carmendo? Hein? Ouais, je crois bien. Vas-tu m'écouter attentivement cette fois? Car c'est très important. Allez, leçon... Wow, on va gagner un super objet, là. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais ça m'a l'air cool. Excellent. Je pense que tu vas vraiment apprécier cette histoire. Je l'ai gardée secrète jusqu'à aujourd'hui, Kirbendo. En fait, je travaillais avant en tant que tacticien yokai pour le shogun Kogito. Oh, ça me rappelle un truc! Hein? J'ai complètement oublié. Je devais les retrouver balèzes et les autres. Mais, ouais, on en reparlera plus tard. Vraiment? Vraiment, Kirbendo? Alors là, t'as de quoi être fâché, Whisper, hein. Ça se fait pas, là, mais Kirbendo, mais quelle déception aujourd'hui, c'est vraiment pas gentil, hein. Tu devrais écouter l'histoire de Whisper. C'est pas grave, nous, au moins, on n'écoute pas l'histoire, on la regarde, c'est encore mieux. Tu n'as pas encore parlé de Kanpachi de tacticien yokai à Kirbendo? J'ai essayé, mais bon, il y a toujours quelque chose qui m'en empêche. J'ai répété un millier de fois l'histoire que je veux raconter à Kirbendo, mais j'ai l'impression qu'une chose très importante va arriver ensuite. On ferait mieux d'attendre que je me souvienne un peu mieux. Si tu y tiens tant que ça, je suis sûr qu'on peut t'aider à te rappeler. Lors marche, Ambrotruc! Je reconnais votre aura! Ambrotruc. Tu as deviné juste. On se goûtait que vous reviendrez que au Karnia. Oh, bien, en échange, vous avez gagné un autre voyage temporel! Mais combien ont-ils de pierres du temps, en fait? Ils disent, oh, on en a plus, mais en fait, ils rentrent chez eux, ils en trouvent déjà beaucoup plein d'autres. Par la crème brûlée! Pourquoi Whisper pense toujours à des desserts? Cette fois, c'est fini pour de bon. Le carrefour du destin est droit devant. Le Yokai Valley échouera et l'enfant n'aura jamais la Yokai Watch. Et notre Lady Perpetua reviendra. Ouais, bon, enfin ça, j'en suis pas si sûr, Laure et Marge. À mon avis, ça va pas se passer comme ça. Quelques années après que Whisper, alias soldat Whispocrate, ait commencé à travailler pour le shogun Kogito. Kogito prit part à la grande, à l'ultime bataille de Sekigahara. Les voilà de retour sur le champ de bataille. Là, c'est une bataille très très importante. Plus rien ne crée surprenant. En effet, de retour au Japon féodal, qui l'aurait cru? Qu'est-ce que c'est que tous ces cris là? Oh, bah, ça doit être les gens qui se battent là. Ça doit pas être beau à voir. Et il est où notre Kogito là? Mais ce Sekigahara, ça veut donc dire que Maître Kogito... J'ai vu à la télé que le shogun Kogito a perdu la bataille, à plate couture. Maître Kogito est en danger, on doit vite aller voir les troupes au fort. Ah oui, alors en fait ça va être le délire de soit Whisper aide le aide Kogito, et donc bah malheureusement ça change le temps, soit il le laisse perdre... Et dans ce cas-là, bah voilà, il perdra Kogito, quoi. Et dire que Kobayakawa nous a trahis, est-ce donc la défaite assurée? La défaite? N'importe quoi! La bataille bat encore son plein! Whispocrate! Soldat Whispocrate! Où est mon tacticien yokai? Le voilà. Kogito t'appelle, Whisper. Tu devrais aller lui parler, Nya. Vas-y, Whisper. Vas-y, Whisper, parle au shogun Kogito. Et on peut voir la bataille?
Comment ça se passe? Non, non, je ne veux pas fuir, je dois trop... Oui, bon, d'accord, ok. J'aurais bien voulu voir juste comment était la bataille, en fait. Mais bon, ok, s'ils veulent pas nous laisser voir, ok, tant pis. Voyons voir. Alors. Maître Kogito, que puis-je faire pour vous? Comment peut-on faire pour gagner la bataille? Je dois savoir! Un tacticien yokai de ton niveau doit savoir comment renverser la situation. Je sais que vous comptez sur moi, mais... On doit gagner! On ne peut pas perdre! Quoi donc? Tu as bien un plan, Wispocrate? J'ai un plan. Mais alors quel plan? Ok, laissez faire le tacticien yokai. Maintenant, vite, quel est ton plan? Peut-être 12 guimauves. 12 guimauves? Et voilà, c'est le carrefour du destin. Donc là, soit... Ouais, c'est ce que je vous disais. Veux-tu qu'on partage un peu de notre sagesse? C'est ça. Vous, qu'est-ce que vous faites ici? À ce rythme, ton cher seigneur va tomber au combat. Tu veux le sauver ou pas? Le sauver? Bien sûr que je veux le sauver, mais qu'est-ce que je pourrais? On devrait pouvoir trouver un plan. Utilise ta force pour faire bouger les choses et rendre l'ennemi fou. Utiliser ma force? Il est temps de rectifier tes erreurs du passé. Prends un nouveau chemin. Vous, les amis, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous essayeriez de sauver votre maître? Et auquel cas, vous changez complètement le futur. Et donc, bah, finalement... Bah non, parce que finalement, le monde est détruit. Parce que Lady Maggie... Enfin, non, Lady Démonard de... Enfin, revient à la vie. Et finalement, bah, elle détruit tout. Mais bon, vous avez sauvé votre maître. Ou est-ce que, bah, vous laisseriez le temps couler et les choses comme elles sont? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Fais-le! Fais-le! Tu devrais le faire! Whisper, qu'est-ce que tu vas choisir? Je sauverai Maître Kogito! Bien dit! Vas-y, mais Whisper, il en est peut-être pas capable aussi de sauver Maître Kogito. C'est aussi ça le problème. Je crois pas vraiment en Whisper. Hein. Maître Kogito, écoutez, la vérité est que je ne suis pas un tacticien yokai. Mon nom est Whisper, pas vrai. Mes conseils n'étaient qu'un tas d'ineptie. Agir en tacticien yokai et vous sauver est au-delà de mes capacités. Quoi? Tu veux dire que tu m'as menti depuis tout ce temps? Oui, monseigneur. Je ne sais même pas de quoi je parle. J'ai juste été très, très chanceux. Eh ben oui, voilà. C'est bien, Whisper. C'est bien de dire la vérité. Mais j'ai une dernière chose à dire, monseigneur. Et ça pourrait être utile. Le premier et dernier véritable plan par le tacticien yokai Whispocrate. À présent, je vais me charger de tout. Aller vers les troupes ennemies et... Je vais rendre l'ennemi confus. Ou je vais agir en leur. Je vais agir en leur, allez. Je me placerai à la tête de l'armée et agirai en tant que leur. Tu pourras profiter de la distraction pour prendre la fuite. Bon, j'y vais. Et voilà, l'histoire a été réécrite. Ah bon? Assez! Quoi? Je viens de réécrire l'histoire, mais finalement, il va pas être d'accord. Maître Kogito, même ton plan ne peut rien changer. La bataille est déjà perdue. Oh non, ne refaites pas un coup de... à la Jibanyan. Cependant... J'ai décidé de me battre jusqu'au bout. J'ai enfin compris. Je ne devais pas la gagner. Je ne peux changer le destin. Mais ma destinée sera gravée dans l'histoire pour les générations futures. Maître Kogito. Oui, d'ailleurs, je peux prendre ce moment pour vous dire qu'effectivement, je crois, je suis presque sûr que c'est une histoire vraie. Et qu'effectivement, il a perdu, là. Et... Bon, c'est pas aussi triste que l'histoire de Jibanyan, parce que voilà, on n'a pas aussi autant d'attachement émotionnel pour Maître Kogito que Jibanyan, mais bon, c'est quand même un petit peu triste. Vas-y, soldat Whispocrate. Donne-lui le courage de se sacrifier. Tchoum! Écoutez tous, on a de grandes chances de gagner cette bataille. Pourquoi? Eh bien, en jouant pile ou face, j'y le fasse. C'est un signe. D'accord, et c'est comme ça que qu'ils se sont tous sacrifiés. Et bah dis donc. Merci, Whisper. C'est notre dernière marche sur le front. C'est la décision de votre shogun, et ma volonté ne fléchira pas. Allez, en avant tout le monde! Bon bah, ils vont perdre et il va mourir, je crois. Hein. Esprit, c'est ici que nos chemins se séparent. Pardonne-moi de t'avoir dupé tout ce temps. Ça a dû être très stressant de maintenir cette ruse pendant 10 longues années. Oui, oui, bon, peut-être. Grâce à toi, j'ai vécu une vie satisfaisante. C'est plutôt pas mal, alors. Tu m'as appris à tout.
toujours avancer, à ne plus douter continuellement. Tu as été la lumière qui a éclairé mon chemin. La lumière ? Bah dis donc, Whisper ! Mais j'aimerais bien te voir, rien qu'une fois. Voir ton apparence terrifiante. Oula, il va être déçu là, parce qu'il est pas si terrifiant que ça. Hein. Je suis plutôt beau. C'est une belle histoire quand même. Alors. Ils en ont fait une belle histoire quand même. On sait pas s'il rigole ou s'il pleure, Whisper, mais bon. Et oui. Là, il pleure. Là, ça se voit, il pleure. Mais avant, j'étais pas sûr. Mais ça n'explique toujours pas comment ça se fait que... Bah, j'ai cru qu'on saurait pourquoi Whisper s'est retrouvé dans le Bingo-Kai. Bah, finalement, on le sait toujours pas. D'accord, ok. Je pensais. N'importe quoi. Au final, rien n'a changé. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Silence, le plan a échoué. Il faut qu'on trouve quelque chose d'autre. Et il retourne quand même à notre époque, bah parce que si vous les bloquiez quand même dans le passé, bon finalement, votre plan il aura à moitié marché. Hein. Parce que s'ils se retrouvent bloqués dans le passé, ils pourront plus faire grand chose. Et bon, apparemment, ils en ont pas le pouvoir. Bon, arrête de pleurer, Whisper. C'était l'histoire. Et puis, tu lui as permis de vivre une belle vie, il a dit. Maître Kogito. Par contre, il faut que t'en parles à Kirbendo quand même. Un jour, peut-être. Ils sont de retour. On y a enfin le recours. Hein? Oh, qu'est-ce que tu as avec toi, Jibanyan? Nia, un talisman. Mais comment? Quand? Comment pourrais-je savoir? Tu as dû l'attraper dans la panique quand on s'est échappé de la bataille. Bref, Nia, je pense que je vais le donner à Kirbendo en souvenir. Une amulette obscure? Wow! Ça a l'air nul en fait, c'est une amulette quoi. En fait, ton passé est vraiment incroyable, Whisper. Le yokai pas t'aide à contrôler la force de Whisper, pas vrai? Pas vrai? Oh, oui, c'est un secret. Il vaut mieux ne pas le dire à Kirbendo. Nia? Je dois dire que Whisper, pas vrai, est un yokai plutôt médiocre en fait. Comment ça, médiocre? Sans yokai pad, tu serais un yokai assez médiocre, c'est tout. Je t'ai bien cerné. Tu ne m'as pas cerné du tout. Bon bah en tout cas, je sais pas vous les amis, mais je verrai Whisper différemment à partir de ce jour. Hein. Je sais pas vous, mais... Cette voix, c'est toi Whisper? Hé, où es-tu? Je t'ai cherché partout. Eh bah, il était dans le passé. Salut. Oh, Kirbendo me cherchait, moi. Il est temps de redevenir le yokai valet sans faille que je suis. Eh bien oui. Bah oui, vous êtes amis finalement. Je peux t'aider, Kirbendo? Tu n'as qu'à demander. J'ai besoin d'emprunter ton yokai pad. Juste le pad, c'est tout. Tu veux prendre mon pad? D'accord. Et c'est comme ça que l'histoire de Whisper, pas vrai, se termine. C'était une bonne histoire. Moi, j'ai bien aimé. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de bah, ces trois petites quêtes sur l'histoire de Whisper. C'était cool. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner? On a gagné une robe maudite. On ira voir ce que ça fait. Ça m'intrigue, ça. En mélange? En remélange? Oh, quel fouillis! Comment ça fait pour rater deux fois de suite la même? Ça, c'est un petit peu embêtant. Bon, inventaire, on a... Ça doit être un objet comme ça, non? Oui. Effet inconnu à utiliser à tes risques et périls. Pourquoi il y a marqué effet inconnu alors que ça donne 80 de vitesse et moins 40 de défense? Il y a peut-être un pouvoir en plus qui est inconnu?
Je n'en sais rien. Eh bien, en tout cas, les amis, merci à tous d'avoir suivi ces trois épisodes, enfin, ces trois petites quêtes sur l'histoire de Whispavray, Whispocrate, Whisper, je ne sais pas. Comment vous préférez l'appeler ? Whispavray, Whispocrate, Whisper ? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Merci à tous. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus si ça vous a plu, de commenter, de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Yo-Kai Watch 2, Spectre Psychique. Donc, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, les amis. Salut !